Coucou à tous. Bah, écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul qui sera destiné à vous montrer, voilà un peu tout ça, tout ce que j'ai acheté chez Action. Donc oui, j'y suis retournée, je ne peux plus m'en passer, voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc je me suis pris des emplâtres chauffants, puis j'ai des douleurs dans l'épaule, et que vu que Valou ne me fait jamais de massage, je me suis dit que ça pourrait me soulager. Cependant, il est interdit aux femmes allaitantes. Voilà. Et j'allaite toujours, donc il faudra que j'attende pour me les patcher. Un peu dégoûtée, mais bon, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, j'ai pris un tapis égouttoir de vaisselle. En fait, qui ne va pas servir du tout à ma vaisselle, mais qui va servir au biberon d'Hugo. Oui, voilà, parce que ça, c'est matelassé et ça absorbe correctement l'humidité en fait qu'il y aurait dans les tétines. Voilà, donc je vais tester ça. Toujours les prix en dessous ici. Hein. Ensuite, ça va être Action et aussi j'ai deux articles de chez Babou, donc ça comptera pas, mais je vous les montrerai quand même. Alors, je me suis repris des boules de bain, donc j'en ai pris deux, parce que j'avais déjà acheté, comme vous le savez toutes déjà, les boules à la pivoine. Mais la pivoine, je trouve ça pas si... Enfin, ça sent pas mauvais, mais voilà, j'avais pas une envie particulière de les racheter. Donc là, ça sent la vanille, je sais que mon chéri adore la vanille, vu que lui a kiffé les boules de bain effervescentes. Donc j'en ai pris à la vanille pour tester, un pour lui, un pour moi. Ensuite, je lui ai acheté des lunettes de protection parce que nous sommes allés chez l'ophtalmologue. Donc il va porter des lentilles, donc je pense que les lunettes ça va être parfait pour le protéger quand il fera du bricolage, mais qu'il aura quand même ses lentilles dans les yeux. Je me suis pris, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai trouvé ce foulard choupinet. Voilà. Il est tout coloré, il est tout... Je sais pas, je l'ai trouvé particulièrement sympatoche. Donc je l'ai pris, en plus il devait pas être très très cher. Hein. Je me rappelle plus du prix, mais je vous le mets là, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Je me suis pris des accroches, donc kit vis crochet. Parce que pour tout ce qui est... tableaux, etc. Donc bon, il faut quand même comment ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle, je bricole pas, donc moi je ne sais pas, c'est ce qu'on met dans le mur avant de mettre le crochet en fait. Peut-être je sais pas comment ça s'appelle, me demandez pas, moi le bricolage c'est pas la peine. Ensuite j'ai pris un chalumeau pour faire des crèmes brûlées, parce que Balou n'aime pas ça, mais moi oui. Donc avec une bonne cassonade et brûler une crème que j'aurais faite maison, j'avais une envie particulière. Donc voilà, je me suis lâchée. Ensuite je me suis pris un bain dissolvant. Je sais qu'il est plutôt cher, je trouve quand même, parce qu'il y en a certainement des moins chers au Leclerc ou au Carrefour. Et donc c'est tout, il m'en fallait un parce qu'en ce moment je teste les vernis Color Show de Maybelline, et ceux à paillettes sont une stupidité à retirer. Ça, les paillettes partent extrêmement mal, ça s'accroche, c'est voilà quoi. Donc j'ai voulu ça pour vraiment tremper, pour pas m'embêter quoi, parce que à ce rythme là le stock de coton il allait y passer. Ensuite, mon petit cher et tendre a voulu me copier, puisque moi j'avais le gros, lui a voulu deux plus petits, plus fins. Cahier pour colorier, parce qu'il dit oui, mais moi des fois aussi je m'ennuie, moi aussi j'aimerais bien colorier, donc moi aussi j'en veux. Ah prends-en. Donc il a choisi ces deux-là. Voilà, donc avec à l'intérieur des motifs divers et variés, voilà, qui sont censés faire. Descendre la pression. Voilà, c'est des coloriages zen. Voilà. Et c'est. Je sais même pas s'il s'est rendu compte, mais j'espère pas que c'est les mêmes. Non, ça a pas l'air d'être les mêmes. Enfin voilà. Vous avez un petit peu. Donc moi j'ai le gros et lui il a les deux petits. Qui n'étaient pas non plus très très chers. Hein. Ensuite, donc ça c'est Babou. Je vous montrerai ça ensuite. Ça aussi. Alors, du coup, j'ai pris une boîte de crayons de couleur. Donc ça, c'est qualité premium, pardon. Il y en a 18 à l'intérieur.
Je me suis dit que j'allais les tester, comme ça s'ils sont mieux que les miens, bah, je lui refile les miens et moi je garde ceux-là. Et j'en ai acheté aussi une autre variété pour sa mère, qui est nourrice agréée. Donc j'en ai acheté deux boîtes pour sa mère, qui était à, je crois, pas un euro, je sais plus, mais je vous mettrai en lien, en dessous là, de l'écran. Par contre, l'intérêt pour moi, parce que je fais pas ça sans intérêt, bien sûr, c'est que les boîtes sont en fer. Donc, pour tous les ombres que je dépote, c'est parfait. Je vous ferai un DIY quand j'aurai plus de crayons de couleur, mais que je vous ferai quand même la manière d'avoir une palette sans pour autant investir 12 euros dans la palette vide. Que quand même, le 12 euros pour 10 trous vides que j'ai vu chez Pédissage hier, abusé. Ensuite, je me suis pris, et ça j'adore, j'ai dévalisé le stock du magasin. C'est des cuillères en fait qui, quand vous le mettez dans le chocolat, dans le lait chaud, vous forment un chocolat chaud. Et elles sont très très bonnes. Donc j'ai dévalisé clairement le stock du magasin. Il n'y en avait plus quand je suis partie. Je crois que j'en ai pris 10 ou 11 paquets. Enfin bref, je vous mettrai en bas le prix et la quantité que j'ai pris. Parce que vraiment, je vous les conseille. C'est vraiment très très bon. Sébastien a voulu les tester la dernière fois et il n'a pas pu parce que j'avais vraiment tout mangé. Enfin tout bu quoi. Ensuite, je me suis pris des chaussettes parce que Balou, il crie parce que je pique les siennes. Alors, il fait du 45,5-46. Alors, je vous dis pas dans les chaussettes. Enfin, dans les chaussures, pardon. Les chaussettes sont au bout et puis en fait, elles font un peu un espèce de tampon. Donc, vu qu'il crie, je me suis pris les miennes. Il y a 7 paires, donc 14 paires. Donc là, il pourra pas dire que je pique les siennes. Tout simplement. Ensuite, je lui ai pris parce que monsieur veut se faire un strip pour retirer les points noirs sur le nez. Donc je pense que ça, on va vous le filmer, parce que ça risque d'être très drôle. Monsieur qui veut faire un petit peu le beau gosse, et donc se retirer les points noirs qu'il a sur le nez. Donc ça, on va certainement très... on va beaucoup rigoler, je pense. Ensuite, il adore tout ce qui est chips au wasabi. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, eh ben, c'est un mix... Donc, il y a des mélanges de riz, cacahuètes enrobées, mais tout avec le goût wasabi. Donc voilà, il s'est fait plaisir, il en a pris deux paquets. Ensuite, j'ai repris des Mentos. Ceci, j'adore. Il y en a un pour moi, un pour maman. Parce que en général, on va faire les boutiques ensemble. Donc, j'en laisserai un dans sa voiture et moi, je garde le deuxième. Je trouve que ce packaging est plus pratique que les packagings où ça s'ouvre sur le dessus. Ce que j'ai pas trop apprécié. Donc là c'est des lingettes pour les lunettes, tout bête, hein, nettoyant lunettes, parce que on va aller commander nos paires de lunettes, et donc en fait je me retrouve avec une rééducation des yeux à faire, parce que les maux de tête que je pensais dus à la grossesse et qui n'ont jamais cessé, en fait c'est le muscle oculaire qui ne va pas, donc j'ai de la rééducation à faire. Donc du coup je me suis pris ces petites panettes pour mettre tous les produits cheveux ou tous les produits déo dans la salle de bain, puisque j'ai un meuble blanc, mais comme ça ce sera relativement rangé. Ou alors le backup gel douche, j'en ai pris deux parce que ça traîne, Balou il sait pas forcément prendre quelle ou quelle chose, donc là au moins ce sera un bac entamé, un bac produit neuf quoi. Ensuite je me suis pris des nougats enrobés de chocolat au lait. Donc je vous donnerai un petit peu des nouvelles de ça, parce que niveau nourriture, j'ai jamais trop testé chez Action, j'ai pas trop... J'ai déjà entamé un paquet avec du lion, mais en fait c'est un cookie, mais avec comme les lions, vous savez, c'est pas bon, j'ai pas aimé. Ensuite j'ai pris un port d'allume-cigare pour mettre les USB de nos téléphones, ou de l'iPad, ou de l'iPod, ou tout ça, pour mettre dans la voiture, parce qu'on a acquis une nouvelle voiture familiale, comme ça on pourra avoir d'autres enfants, c'est une 7 places, et au cas où on doive déménager des choses, il y a quand même beaucoup d'espace. Donc du coup, voilà, on a pris ça pour mettre dans la nouvelle voiture. Ensuite, ben voilà, c'est tous les chocos que je me suis acheté. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Donc voilà, j'ai pris la tonne. Et je me suis pris aussi des arachides au chocolat.
Mais en fait, c'est les seules douceurs que j'achète parce que c'est rare. Comme les napolitains la dernière fois, c'était quand j'étais enceinte que ça m'avait pris et que j'ai adoré les napolitains au praliné. D'ailleurs, ma folie est passée, comme vous voyez. Je suis pas très choco, je grignote pas trop. Je préfère à la limite m'acheter un beau fard à paupières plutôt que m'acheter des cochonneries. Mais par contre, ça, entre les cuillères au chocolat et ça, je vais tester. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai eu une envie de chocolat. C'est rare, c'est extrêmement rare parce que je suis pas du genre à craquer pour des cochonneries. Mais là, ensuite, donc on passe chez Babou. J'ai eu à 2€ ce petit range qui à la base est un range CD. Mais en fait, je vais l'utiliser pour ranger mes palettes. Donc je verrai en fonction de la largeur. Mais grosso modo, pour ranger mes palettes sleek, parce qu'elles passent parfaitement bien à l'intérieur. Voilà, tout bêtement. Si vous n'y pensiez pas, un rangement CD, ou alors ça peut être aussi pris pour ranger les tartines le matin quand elles sont grillées et les mettre comme ça pour les présentations dans les bed and breakfast et tout ça. Donc moi je les prends pour les palettes. Donc voilà, et j'ai pris aussi deux tringles à rideaux, elles sont immenses. Bon, elles étaient 9€, elles étaient soldées quand même, je crois qu'elles étaient à moins 50. Et là, elles font entre 80 cm et 120 cm, parce que dans la chambre, je n'ai toujours pas de rideau. Ma chambre prend forme, ça vient. Mon cadeau de Noël n'est toujours pas arrivé chez ma belle-mère, donc on est quand même fin janvier, je suis dégoûtée, j'ai toujours pas mon cadeau de Noël, qui était à la base une housse de couette. Bon, la laisse, je l'ai reçue, mais housse de couette et drap housse pour pouvoir vous filmer dans un espace un peu cocooning qui aurait été agréable, mais pour l'instant, je peux pas l'installer, donc le décor, donc voilà, je dors avec mes anciens draps, voilà. Et puis, ça, c'est des autofixes avec, vous savez, les crochets sur le côté. Donc voilà, ben écoutez, c'est tout ce que j'ai acheté en random. Donc bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. La vie est belle en rose. Profitez-en bien. Ciao.